Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Mais il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur parce que ce chant il est en anglais et le thème de cette danse c'est pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Alors, je crois que nous ne sommes pas nés par hasard dans un temps comme celui-ci. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Vous êtes à la bonne place, au bon moment, bon timing de Dieu, 2015. Voilà. Les temps, on sait que les temps sont particulièrement troublés autour de nous. Incertains, très très incertains. Tellement incertains qu'on peut avoir peur. La persécution est tout autour de nous, oui, à notre frontière. Et mauvaise nouvelle, nous ne serons pas épargnés. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un grand Dieu qui est chaque jour avec nous. Et sa promesse... Dans sa parole, on peut trouver 366 fois « n'aie crainte ». Il sait pourquoi il nous dit ça. Parce que oui, on peut trembler. Mais il est avec nous. Et ma réflexion à travers cette danse, c'est quelle est ma place, quelle est ta place aujourd'hui, dans cette époque. Je regarde les jeunes. Joliane, vous avez plus de temps. Quoi qu'on ne sait pas si Jésus revient. Quel est mon rôle à jouer aujourd'hui dans ce temps? Nous sommes appelés par Christ, nous sommes appelés pour apporter sa lumière. Et vous savez quoi? Chacun, chaque personne ici, vous avez un rôle à jouer. Vous avez une destinée parfaite en Dieu. Des fois, on se dit, oh mais moi, Seigneur, t'as vu, je suis si... Mais non, toi, oui, justement, je vais t'employer, oui, toi. J'aimerais te dire, prends ta place, prends ta position. Il y a une place que Dieu a parfaitement, vous avez entendu, parfaitement établie pour toi. Parfaitement. Et puis, il y a une destinée justement qui est sur ta vie, comme celle qui était sur Joseph, Esther, Moïse, tous les autres. Oh oui, en plus, ce sont les grands.
Mais nous, on continue l'histoire de la Bible. Alors, je vais vous donner la traduction du chant qui est en anglais. Écoutez bien, parce que c'est vraiment un message profond. Alors, première partie, ça parle de l'histoire de Joseph. Parce qu'il était le favori de leur père, ses frères voulaient Joseph dans la tombe. Ils ont conçu un plan. On connaît l'histoire de Joseph. Une caravane passa. Ils prirent Joseph comme esclave en Égypte. Mais le Dieu d'Abraham était avec Joseph. De sa prison, Dieu l'a relevé. Lorsque la famine est venue, ses frères ont appris son nom. Et Joseph leur a parlé avec des mots d'amour. Pour un temps comme celui-ci, j'ai vécu dans la souffrance. Pour un temps comme celui-ci, je suis passé par la douleur. Maintenant, Dieu m'a ressuscité et m'a montré sa grâce et sa puissance. Et me voici. Et Dieu vous a ramené pour un temps comme celui-ci. Deuxième partie, c'est l'histoire d'Esther. Esther était une jeune fille juive en Perse. Elle se retrouva en compétition pour le trône. Sa beauté et sa grâce lui ont fait gagner la meilleure place. Assuérus, le roi, l'aima comme lui appartenant. Pourtant, il y avait un ennemi dans le palais. Son complot de tuer les Juifs fut arrêté. Mais Mardoché apprit la colère brûlante d'Aman et il envoya un message à Esther avec les mots. Pour un temps comme celui-ci, tu as été choisi. Pour un temps comme celui-ci, tu es venu au pouvoir. Maintenant, tu dois prendre ta position et risquer tout ce que tu as gagné. Ne crains rien. Peut-être que tu as été amené ici pour un temps comme celui-ci. Troisième partie, la plus importante, la venue de Jésus. Jésus est venu pour nous sauver et nous racheter. Pour nous tous, il a été séparé de Dieu. Il a payé le prix. Il a été le sacrifice, l'offrande pour le péché que Dieu exigeait. Peine et souffrance l'ont presque vaincu. Alors que le temps de mourir approchait pour lui, sous les oliviers, avec des cris de douleur et d'angoisse, non pas ma volonté, mais la tienne. Ils l'ont entendu crier. Pour un temps comme celui-ci, je vais faire face à la souffrance. Pour un temps comme celui-ci, je choisis de mourir, alors Dieu va me relever et me faire siéger à sa droite. Car il est clair que Dieu m'a amené ici pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci, le Messie a souffert. Pour un temps comme celui-ci, Yeshua est mort. Maintenant, Dieu l'a ressuscité. Il règne avec grâce et puissance. Nous proclamons son nom au-dessus de tout nom. Et je crois que pour un temps comme celui-ci, tu as ta place aujourd'hui. Et puis je pensais à ce verset. Vous vous souvenez que je vous ai donné ce verset, Jérémie 31:3. Je t'aime dans l'amour éternel. Et le 13, les jeunes filles danseront de joie, on connaît. De même que les jeunes gens et les vieillards. Alors on ne va pas dire où sont les vieillards. Et je transformerai le deuil en allégresse. Ah, c'est une promesse, c'est sa promesse, il va transformer notre deuil en allégresse. Je les consolerai, de leur chagrin, je les réjouirai. Alors c'est ce qu'on va danser. Vous êtes prêts? Alors attention. Vous savez où elle est, votre chambre? Donc après on va le faire avec la musique, ça c'est, on répète là. Hein. Attention, je vous demanderai vraiment du silence. Silence. Voilà. Ok, on y va avec la jambe droite, 4 pas. 1, 2, 3, 4, et plus vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. On va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, plus vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Sans trop bouger. Regardez d'abord. Avec mes bras, je fais 1, 2,
arrière, devant, derrière, sans déplacer les pieds. 6, 7, et je ferme. Pied gauche, devant, et 1, et 2, et 3, on peut prendre les bras, et 5, et 6, et 7, fermez. Encore une fois, ça. Pied droit, ça va mieux. Non, parce que des fois, je sais, on sait plus. Alors, avec les bras. Ils sont offerts ici. 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, fermez. 2, 1, et 2, et 3, et 5, et 6, et 7, fermez. Génial. Oh, bien fait. C'est pas encore fini, c'est très bien. Ensuite. Tac. Ensuite. Ouais, c'est ça. Donc après, on fait des petits pas, on va en avant. J'en vois toujours gauche, c'est égal. Regardez-moi, on fait, avec les élèves, on fait ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en arrière. Comme on n'est pas, on n'a pas beaucoup de place, on ne peut pas beaucoup se déplacer vers le centre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, facile. Hein. Maintenant, ça c'est ce que je préfère. Regardez, on reste sur place, et là c'est on se positionne, on frappe les pieds au sol. Ah, les gens dessus. 7, 8, 8, ça c'est ce que je préfère. On se positionne. On se positionne dans notre temps actuel. Ouais. Ensuite, on croise les bras. Après, c'est fini. On croise les bras, et on retrouve la voisine et le voisin, et on recommence. Okay.
arrivé après 23 ans dans mon lit. C'est jamais trop tard, j'ai fait la sainte. Ça, c'est une danse israélienne. Alors écoutez bien, qu'est-ce que vous ressentez? La joie. C'est ça la danse, c'est pour ça que je danse, parce que ça me donne la joie. Voilà. Chaque jour.